vaisseau pirate particulièrement bien armé s'approche de vous. Remettez-nous l'un de vos membres d'équipage et le reste d'entre vous sera sain et sauf. Charles n'accorde pas y envoyer un membre de l'équipage sur un vaisseau esclavagiste. Nous ne remettrons jamais l'un des nôtres à des esclavagistes. Jamais. Oh, tu cloques? Bah, très bien, vas-y, cloque. Je m'en bats les couilles. Hop, toi. Si vous voulez tirer, si jamais j'ai le cloque aussi, hein. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est bien comme ils ont pas d'MJ. Petit coup de lac de temps en temps, mais c'est pas grave. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous, comme ça, direct. Nickel. C'est ça, les réparer. Vous pouvez rien faire. Vous là, crevez. Non, se rendre n'est pas une option. Crevez. Attends, je vais prendre son contrôle. Ouais, vas-y, nique le système de 2, c'est pas mal. Casse tout. Voilà. Et là, il revient à lui. Et là, il crève. Ah, tu te cloques. Vas-y, moi aussi, je me cloque. Pour te guaquer. Ah, tu veux réparer ça? Non. Tu meurs. Je vais bien lui laisser de l'espoir. Le faisceau esclavagiste est détruit. Ils ne continueront pas leur commerce diabolique, mais de nombreuses vies ont probablement été perdues sur ce vaisseau. Tant pis. Tant pis, tant pis. Améliorer les portes. On va améliorer ça. Améliorer le moteur. Hop, hop. Nickel. Les scanners montrent une colonie isolée bloquée par un vaisseau pirate. Le vaisseau vous contacte précipitamment. Restez en dehors de cela ou vous serez les prochains. Concentrez les tirs sur... Attaquez le pirate! Ah, tu cloques aussi carrément, toi. Vous êtes comme ça, vous. Allez-y, cloquez. Alors, on prend le contrôle de lui. Tu tires ton missile? Pas de problème, moi aussi je cloque. Paf et paf. Raté, haha, t'es nul. Bon, ils ont tué leur capitaine d'équipage. Ah, il cloque encore. Aïe, même pas mal. Ça, vous êtes dans la merde, là. Oh non, j'ai raté ma bombe. Bon, très bien. Tu veux pas mourir? Ok. Tu vas mourir quand même. Non, non, non. Et boum! Voilà. Je me sers. Les pirates étant partis, vous communiquez avec la station. Nous apprécions ce que vous avez fait, mais il y aura sûrement très bientôt un autre vaisseau qui cherchera à profiter de l'isolement dans lequel nous sommes deux, de pas pouvoir vous offrir plus. C'est pas grave, c'est déjà mieux qu'un. Hein. Voilà, ils sont tous morts. Vous recevez un message d'une station à proximité. Un croiseur de la Fédération sautant au territoire rebelle, c'est bien audacieux. Vous vous déplacez rapidement pour ramener les armes et les continuer. Heureusement pour vous, nous ne sommes pas tous en faveur de la rébellion. Peut-être ces fournitures vous aideront à atteindre un espace ami en vie. Merci, c'est gentil. Oh, on retourne en secteur civil. Ce serait bien que je trouve encore un vaisseau. Ouais, voilà. C'est ce que je vais dire. Un magasin et une cale. Alors, il n'y a qu'un seul autre vaisseau qui symbolise le monde de lourds dommages. Vous recevez un message sur votre console. Salutations, voyageurs. Nous avons été estropiés par une bande de pirates. Nous sommes maintenant obligés de vendre notre matériel de valeur restant pour acquérir les fournitures nécessaires pour rentrer chez nous. Ça tire deux lasers, je crois, ça. Je vais le prendre. Du coup, toi, je te vends
qu'ils ont. J'aurais espéré plus. Ça, ça. Tac, tac. Voilà. On va explorer le champ d'astéroïdes. Vous parvenez jusqu'à un ancien site minier abandonné. Quelques drones de forage ont été laissés pour être reprogrammés. Merci. Il faudrait encore un autre magasin, s'il vous plaît. En ce coup-ci, on ignore la station. Ça, c'est une détresse. C'est pas un magasin, ça. Alors, vous repérez la source de l'appel des détresses, une colline minière humaine avoisinante. Une maladie inconnue s'est abattue violemment sur le visier. C'est la même chose que tout à l'heure. On va envoyer le roc. Il sera invraisemblable que l'impressionnant système immunitaire du roc soit sensible à un virus humain. Vous l'envoyez donc sur place. Il est en mesure d'intimider les ouvriers assez longtemps pour que la colonie force l'instauration de la quarantaine. Leur leader vous offre une récompense et promet de trouver un remède dès que possible. Continuez. Un magasin, please. Que j'ai le hacking. Parce que le hacking, c'est hyper important, quoi. En haut. Oh, il y en a un. Génial. J'espère qu'il a le hacking. Il a le hacking. Oui, je le prends. Je vais prendre ça. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. C'est bon. Hop. Hacking, cloak. Et on se casse. Parce qu'on arrive contre le dernier. Alors, un vendeur d'armes du marché noir vous raconte une fable sur les dangers de la nébuleuse avant de pouvoir se marchandiser. Le vaisseau, avec quel vaisseau? Le grand duc doit proposer une meilleure transaction. Une fois convaincu d'aider, il diminue le prix et décrit l'arme. Cependant, il parvient finalement à reprendre cet esprit et à une réduction de prix. Il est clairement pas sûr de pouvoir le faire dans un premier temps. Ouais, je décline. J'ai pas besoin de missiles. Bon, là, on est déjà passé par là. On va à la sortie. Pour le boss. Vous arrivez sur les styles d'une station spatiale, elle a déjà été bien étoilée, mais il semble y avoir un peu de matériel qui vous aidera dans votre mission. Youpi! Un système de deux. Sérieux? Il manque tellement rien. Allez, le dernier combat. Ouh, tout plein de vaisseaux de la Fédération. Donc, on explique la mission, votre explication est accueillie par des murmures de cynisme et d'incrédulité de la part des officiers. Le général Turzil de la brigade NG prend la parole. Le service secret nous informe qu'il existe un moyen potentiel de contrer la technologie rebelle. On risque le tout pour le tout. Expliquez la faiblesse de la flotte ennemie, le vaisseau admire la rebelle. Tu lui réponds. C'est entendu, les rebelles seront là d'un instant à l'autre. Nous ferons tout notre possible pour vous tenir à distance de leur vaisseau de guerre, mais vous devez réussir à détruire le vaisseau amiral. Frère en place de vous faire le plein et vous réparer. Les autres stations de réparation vous offriront de l'aide lorsqu'elles le pourront. Bonne chance. Merci. Donc, oh, il y a encore un magasin là. Vous vous souvenez du gros vaisseau amiral tout à l'heure? Oh, c'est en train de se péter. L'ampleur de la destruction au loin était époustouflante. Malheureusement, votre position en tant qu'observateur indépendant n'a pas duré très longtemps. Donc, j'allais dire, vous vous souvenez du gros vaisseau de tout à l'heure? Eh bien, on va l'affronter, mais encore en plus gros. Tac. On va hacking ceci. Et c'est parti. Donc toi tu te TP, toi tu n'as pas peur. Ça va l'aider. Ah, tombe? Non, je refuse le tombe. Voilà. On va le hacking et on bousille tout. Nickel. Vous deux. Toi. Storm va là-bas, toi là-bas. Hey! Oh! Dégâts bloqués! Allez, dans ta gueule! On va maîtriser la bête clonage. Ah putain, il est une temps!
Non! Bob Lennon va aider Monsvik. Où ça? Aïe! Système de 2 NG va réparer. On va prendre le contrôle de lui. Allez, poum. Vous allez tous crever. C'est pour Bob Lennon, tu vas mieux. Toute façon, il a plus d'esquive. Voilà, il est mort. Vous n'avez pas le temps de piller le vaisseau ennemi, mais votre équipage a filé avec peu de matériel très dangereux. Préparez-vous à sauter. Ouh. Ok, on va par là. Ça va soigner un peu tout le monde. Là. Alors, cette zone montre des signes d'une bataille qui remonte déjà quelques temps. Il y a des départs de vaisseaux, mais une station apparaît être intacte. Vous êtes placé pour examiner la station. Alors que vous en approchez, il devient clair que la station est simplement une coquille vide. Dépouillée de tous ses matériaux utiles il y a longtemps. On va à la base. Voilà, comme ça soigne, ça soigne. Vous arrivez près de la base de la Fédération, y trouvez l'essentiel de leur flotte s'accrochant avec les forces rebelles. Voici en arrière de votre côté de la Lune pour éviter le conflit. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour les aider dans cette bataille. Votre mission est la clé pour renverser le cours de la guerre. Vous préparez à combattre le vaisseau amiral rebelle. Et maintenant, on va aller fighter le vaisseau amiral. Storm, t'as pas tout régène. Voilà, qui ressemble à ça. Ça, c'est la version complète. Il n'a pas le système de drone. Oh, mais c'est ça que c'est bon. Quoique, peut-être qu'il va arriver après. Nous sommes le vaisseau amiral rebelle. Si vous êtes capable de détruire cette monstruosité, la flotte de la Fédération aura une chance de survivre. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc tu te cloques, très bien. Tu me hacks ma baie de clonage, très bien. Je m'en bats les roubignoles. Alors on lance le drone de hacking ici. Prends le contrôle d'esprit ici. Et dès que tu tires tes bordels là. Non, pas cela. Cela. Voilà. On esquive tout. Hop. On le hack. Et on tire tout. Quand je dis tout, c'est tout. Bon, tu hack ma bête de clonage. C'est bien, je m'en fous. Je prends pas les couilles. Vas-y, répare, répare, t'as de l'espoir. Tu vas mourir avant mon petit. Petite bombe, go! Boum! Dans ta gueule. Et on va même l'achever pour être sûr comme ça. Voilà. Il ne pourra pas réparer. Ah! Monsvik, va l'aider. Ah, tu te cloques, t'es comme ça. Toi. Très bien, merci Monsvik. Nickel. Alors, tac. 4. Hop. Ça fightait où entre vous? Il y a du monde qui crève dans leur vaisseau. On se cloque. Ils se cloquent aussi. Il est en train de réparer ses boucliers, ce salaud. Mais plus pour longtemps. Voilà. Lui, il est mort. On va niquer ça. Ça, il pourra plus se cloque. Je réduis ça. Voilà. Alors le combat n'est pas fini, on a niqué qu'une partie du vaisseau. Il va falloir le combattre 3 fois. Eh oui, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Ils foncent sur la base, on va à la base.
Oh merde. Par chassé, le vaisseau amiral est découvert qu'il est fortement endommagé suite au combat précédent. Les scanners indiquent qu'il a redirigé une énergie considérable dans ses drones. Préparez-vous au combat. Ah, putain, s'il avait les drones. Alors, on va prendre le contrôle de... Lui, on le fera après. J'ai les cloaks toujours. Enfin, j'ai les... Ah ! J'avais oublié ça. Tac. Tac. Booster le système d'O2. Hop. On referme ces deux portes là. Et c'est parti. Allez, vous fightez, vous deux. Ça y est. Hop. Alors. 1, 2, 3, 4. Dès qu'il tire ces trois machins là, c'est tombe, tombe, tombe. S'il en a le temps, il en a le temps. On se cloque. Boum. Ah putain, c'est chiant. Tac. Storm, tu retournes là. Toi, tu retournes là. Boum. Ah, je peux lancer le hacking. Hop. Sérieux, raté là? Hop, on cloque, on esquive tout ça. Non, 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 tu vas pas te soigner, mon petit. Tu te soignes pas, j'ai dit. Toi là-haut, là aussi, tu vas crever. On y est presque, hein, on y est presque. On leur fait mal. Cloak. Boum, toi t'es mort. De quoi rater. Il est un peu dans la mouise bien profonde. Il a plus d'oxygène. Voilà, c'est bon. Boum. Donc il a plus d'hommes dans son vaisseau. Donc, je reprends l'avantage encore là. Blablabla, prend l'avantage. Tac tac tac. On prend le cloak encore. Là, j'ai plus besoin de ça. Hop. Donc il retourne là-bas. On va lui botter le cul. Vous ne savez pas comment le vaisseau amiral est capable de continuer à se battre avec la quantité de dommages qu'il a subi. On dirait qu'il a transféré son énergie dans le téléporteur ainsi que dans une sorte de super arme. Soyez prêts, nous y sommes. Donc là, vous voyez, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'il y a deux zones. Donc celle-là et celle-là, bon, tout, qui étaient reliées tout à l'heure, mais elles ne le sont plus. Donc il a un super bouclier. Tant que ce bouclier sera actif, je ne pourrai pas toucher ces salles. Hein. Il semble que ce vaisseau soit aussi équipé d'une IA avancée maintenant que l'équipage est mort. Et on a pris le contrôle. Forcément. Alors Bablenon, je reprends ton contrôle. Merci. Et là oui c'est vrai. Je peux pas. Donc là. Là le but c'est de tirer. C'est de tirer sur le bouclier à fond. De toute façon, tombe, 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 va te faire foutre. Voilà.
Là. Ouh. Pas bon tout ça, pas bon. On ouvre toutes les portes, on referme ça. Va réparer. Oh non. Storm va réparer. Ah aussi, merde. Hop. J'allais oublier. Non, j'ai raté. Ah putain, j'ai pas touché assez. J'aime pas moi quand ça fait tombe, tombe, tombe. Réparer vide, réparer. Brian va aider. Ah, il y a le feu. Toi, t'es cassé. Toi, t'es moitié cassé. Allez. Allez stopper le feu là, vous deux. Voilà, nickel. Stop. Stop, taper le bouclier. Boum. On frappe ça. Bien évidemment, j'ai tout raté. Allez, 38 d'esquive quand même. Surtention détectée. Cloque. Non. Stop. Ah, il se répare. Tu te répares pas, j'ai dit. Voilà. Ça c'est cassé. Plus d'esquive normalement, même de base, sans le piratage. Voilà, plus d'esquive du tout. Ah putain, enculé. Non! Stop! Ah putain, il s'est réparé le PD. Ouais. Vas-y, tire, tire, tire. Non. C'est qui a été pris? Non, moi, non, stop. Hop, les boucliers sont touchés. Là, c'est la fin pour lui. Là, j'ai gagné. Hein. Oh, il y a le feu. Non, non, tu te répares pas là. Et voilà. C'est gagné. Grâce aux vaillants efforts de Le Solo et son équipage victorieux, Maxu, Tom, Storm, Bob Lennon, Monsvik, Brian et Nelis, le vaisseau amiral rebelle a été détruit, jetant leur flotte dans le chaos et assurant la victoire de la Fédération. Et bah, c'était une bonne partie. Voilà. On a réussi à gagner. Donc mon score est de 3103. Voilà, je suis là. Ici, c'est la première fois que je le fais donc avec ce vaisseau, comme vous le voyez. Et donc top score, je suis pas dedans. Voilà, 3076 et j'ai dit 3103. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Mais bon. Voilà. Pardon. Du coup, bah voilà, j'ai fini la partie, j'ai gagné. Donc pour vous montrer, donc en fait, non, c'était pas ça que je voulais faire. Les deux vaisseaux que j'aurais pu débloquer, donc c'était celui-là, quand j'ai vécu le second vaisseau amiral, là, vous savez, quand il était déjà tout amoché. Et le premier, c'est quand je suis allé déglinguer les humains dans le vaisseau Mantis, dans ce vaisseau-là. C'était ce vaisseau-là que j'aurais gagné. Voilà, donc j'ai réussi avec ce vaisseau. Bon, certes, c'était en facile quand même, mais il y avait son petit brin de difficulté, particulièrement au début, où j'ai perdu Tom dès le début, et où il n'y a pas d'infirmerie aussi, c'est une bête clonage. Enfin bon, je m'en suis sorti, et voilà. Donc, bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, puis bah, à la prochaine tout le monde, allez, bye!